Ça pourra pas se passer comme ça à chaque rencontre. Si vous parlez pour aujourd'hui, vous allez devoir retourner à l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Vous voulez du drame, c'est ça, là? Je vous raconte des histoires horribles? Allez-y, je vous écoute. Comment tu t'appelles? Soray. Et toi? Malek. Pourquoi tu m'as jamais parlé d'elle? Non, non, non. Toi, tout ce que tu veux, c'est la baiser, d'accord? C'est pas une fille comme ça. Je dois la protéger des sales zaras comme moi. Vous voulez même pas me donner ton numéro, il arrêtait pas de me dire que t'étais pas faite pour moi, que t'étais un peu comme sa petite sœur. Sa petite sœur? Je crois que tu vas perdre un ami. Tu m'énerves avec ta belle gueule, là. Avec la vie que vous avez, vous pensez vraiment qu'elle va s'intéresser à vous? Vous analysez des mondes que vous consommez. Les drogues dures peuvent provoquer des périodes d'hallucinations puis de délire. Au Liban, avant. C'est différent d'ici. Il était milicien. Votre soeur, est-ce qu'elle est toujours avec lui? Les Mollas ont arrêté mon père, ils l'ont torturé. Ils l'ont assassiné. Imperturbée, cette fille. Et alors, elle a pas le droit? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini. Il y a une nouvelle vie pour vous aussi. Vous croyez vraiment ce que vous dites? Vous me faites rire. Si tout le monde est contre les armes, là-bas, c'est différent. Avoir une arme, c'est être quelqu'un, c'est défendre quelque chose. J'ai l'impression qu'on va devoir parler de votre soeur bientôt. Je me suis juré que si je le revoyais un jour, j'allais le tuer. Tu veux m'aider? On va revenir à ce que vous avez fait. Est-ce que c'est vrai ce que vous me racontez? Ouais, tout est vrai, ouais.